Let's pack and get out of here. Let's take the train tomorrow. I won't listen to you. They know about us. We've been famous. Ladies and gentlemen, vous écoutez close-up dramatique le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. I don't know. There must be some place we can go. I'm guilty. Listen to me. I loved you like a friend. Huitième épisode de Close Up dramatique déjà, et aujourd'hui un film vraiment triste, La Rumeur. On est en 1961 avec Audrey Hepburn et Shirley MacLaine. C'est un film qui possède plusieurs éléments dramatiques dans son déroulement. Je vais faire mon mea culpa tout de suite. Là. Je suis pas un très grand fan d'Audrey Hepburn, mais ce film est un vrai classique pour moi. Tout comme Sunset Boulevard et Qui a peur de Virginia Woolf, La rumeur fait partie de mon top 5. Esthétiquement, c'est très beau dans la tristesse immense que vont vivre les protagonistes dans l'histoire. C'est vraiment un film que je suis très heureux de vous parler aujourd'hui. Et juste avant de commencer à parler du film et de, des actrices et des, des histoires, je veux juste vous remercier d'écouter encore une fois Close-Up Dramatique. N'hésitez pas à rejoindre le Instagram de Close-Up Dramatique. J'y poste régulièrement. J'y poste des belles photos des films que je parle avec des petites histoires une fois de temps en temps. Donc, ça peut vraiment être cool. Et en plus, ça nous fait une belle communauté. Et surtout, je tiens à saluer maintenant mes deux auditeurs de l'Espagne. Bonjour à vous. J'espère que vous appréciez le balado close-up dramatique et surtout merci à tout le monde d'écouter close-up dramatique. Revenons au film maintenant. Euh, revenons à la rumeur maintenant. C'est un film qui dure un peu plus de deux heures, mais qui passe très rapidement parce que l'histoire est racontée d'une façon extraordinaire. Ajoutez à ça deux actrices qui appartiennent aux légendes du cinéma, soit Audrey Hepburn et Shirley MacLaine. Le film pouvait pas être une ratée mais surtout comme je le disais même si on est en 2022 et que le film se passe en 1961 l'histoire pourrait encore se passer aujourd'hui une rumeur qui fait le tour d'une ville et cette rumeur va faire en sorte que les deux victimes vont se retrouver délaissées presque par la ville entière quand je pense aujourd'hui avec les réseaux sociaux tout va encore plus vite ça touche encore plus de monde et je me dis que ce genre d'histoire là peut en encore se passer et se passe encore. Faut mentionner aussi que l'élément central du film, la rumeur, parle de lesbianisme. On est en 1961 à Hollywood. Hollywood a beau avoir fait des films immenses d'une qualité extraordinaire, ils ont aussi été très souvent en retard hein, sur certains sujets ou peu emballés à l'idée de faire des films sur certains sujets, comme ça a été le cas avec l'homosexualité. Donc je pense qu'ici, on peut saluer l'audace d'Hollywood face à la rumeur. Cinq fois nominé aux Oscar. Il faut souligner que ni Hepburn ni McLean ont été nominés. Ce que je trouve totalement loufoque. Elles auraient dû être nominées amplement. Je pense que c'est presque un scandale là, que ni l'une ni l'autre soient en nomination en 1962 aux Oscars. Elles auraient même pu gagner l'Oscar à deux. À mon avis, c'est une ratée ici là, de la part de l'Académie. Bref, Audrey Hepburn joue Karen et Shirley McLean joue Martha. Et elles sont jointes dans ce film par James Garner qui lui joue Joe Cardin, docteur et fiancé de Karen. Et dans ce film, il y a aussi un personnage important, celui de Mary Tilford. Mary Tilford, elle est jouée par la jeune Karen Balkin. C'est une jeune fille, c'est elle qui va partir la rumeur, qui va affecter la vie de Karen et de Martha et de tout leur entourage. Donc c'est vraiment un élément central même si c'est pas elle qu'on voit le plus souvent dans le film. Pour ce qui est du synopsis du film, je vais commencer par vous présenter les deux femmes principales du film, soit Karen et Martha. Karen et Martha, elles se connaissent depuis très longtemps, ce sont en fait deux amies d'enfance. Elles ont fait leurs études ensemble et ont grandi ensemble également. Karen, c'est une très belle femme qui a toujours eu beaucoup de charme avec les garçons et beaucoup de succès. Elle est fiancée au beau docteur Joe Cardin. Martha, elle, on peut dire que c'est un peu la troisième émeraudes du carrosse. Elle n'a jamais vraiment eu de petits copains, mais elle est toujours très très près, très proche de Karen, de son amie, et Karen d'ailleurs, elle la garde très proche d'elle. C'est sa meilleure amie jusqu'à la mort, et Karen et Martha, c'est comme deux sœurs. Et à un certain moment dans leur vie, elles vont finir par ouvrir un pensionnat pour filles dans une région très classe des États-Unis. Elles en sont très fières parce que ça leur a pris énormément de temps monter toute cette espèce de business. Elles ont eu beaucoup de difficultés à rendre leur pensionnat rentable. Et enfin, leur école est pleine de jeunes filles et l'ambiance a l'air vraiment cool. Les femmes ont vraiment l'air gentilles avec leurs jeunes pensionnaires. Parmi ces jeunes filles-là, il y a Marie. Tilford, qui elle, elle est la petite fille de la richissime Amelia Tilford, qui elle est la tante de Joe Cardin. Donc, le fiancé de Karen a un certain lien familial avec la petite Marie Tilford. Et pour vous décrire un peu Marie Tilford, c'est exactement ce qu'on appellerait au Québec une c'est une enfant qui joue dans le dos de ses camarades, qui est un peu hypocrite. Elle fait des plans pour faire mal paraître ses copines. Vous savez, le genre de petite fille qui est devant vous va être vraiment incroyable. Vous allez vous dire, mais elle est trop adorable, cette petite fille. Mais dès que vous aurez le dos tourné, elle va vous planter un couteau dans le dos. Mais surtout, Marie est une mythomane. Et elle exerce aussi un gros chantage hein, sur une de ses camarades, Rosalie. Elle a beaucoup, beaucoup d'influence négative sur cette jeune fille et elle va en profiter. Hein. Donc à un certain moment, bon, Marie Tilford, elle accumule les mensonges. Karen et Martha vont apprendre l'un de ces mensonges et ils vont la punir. Et la petite va être très, très fâchée de cette situation. Elle est très mécontente de s'être fait pogner, hein, comme on dit au Québec, et là, Marie va trouver un moyen de se venger. Un jour, Marie est avec sa grand-mère et elle va lui raconter qu'elle a vu Karen et Martha avoir une relation intime. La petite, elle s'aventure pas dans les détails, mais elle explique bien que ce qu'elle faisait n'était pas très catholique. Vous l'aurez compris, c'est totalement faux. Amelia, la grand-mère, va être très choquée de ce que raconte sa petite fille et elle va décider de la retirer du passionnat. Amelia Tilford, il ne faut pas oublier, elle est richissime, c'est l'une des femmes les plus connues de la ville, elle est aussi très influente dans la ville. Elle va donc monter une espèce de campagne contre Karen et Martha, et rapidement, toute la ville va savoir l'histoire qui va se transformer en rumeur. Les deux propriétaires du pensionnat pour filles seraient en réalité un couple homosexuel. Et là, c'est l'hécatombe. Tous les parents vont venir chercher leur fille au Passionnat, et Martha et Karen doivent tout laisser aller puisque personne veut leur dire ce qui se passe. Même les parents avec qui elles avaient des relations plus qu'amicales s'en vont sans même leur dire un seul mot. Ils les regardent même pas. Là, c'est devenu une honte. Rapidement, plus aucune jeune fille se retrouve au pensionnat, mais un père, lui, va donner un début d'explication, plus un début de piste aux deux femmes, il leur dit Si vous voulez des explications, allez voir madame Tilford. Et c'est chez Madame Tilford, qui vit dans une espèce de grande maison, que le mensonge va naître puis mourir. Cette scène-là, on va en reparler plus tard, mais c'est une scène, il n'y a même pas de mots pour l'expliquer, c'est d'une intensité incroyable, il y a une ambiance très lourde parce qu'Amelia Tilford, elle veut pas dire au début que c'est sa petite fille qui lui a raconté tout ça, et tout le monde va s'en mêler, Martha, Karen et Joe, et eux, ils ont un doute sur la souffrance de la rumeur. Ils le savent très bien. Ben, ils le savent. Ils le savent pas vraiment, mais ils s'en doutent que c'est la petite Marie qui a raconté tout ça. Et après cette confrontation avec la grand-mère, la réputation des deux femmes ne va que s'assombrir. Tout ce chaos autour d'elle va laisser les deux amis d'enfance complètement seuls et isolés dans leur pensionnat. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un pensionnat vide, mais c'est tellement triste, c'est tellement lourd, c'est presque épeurant même. Les deux femmes se retrouvent complètement seules dans cette immense maison où il n'y a plus personne pratiquement, il y a juste les deux femmes. La situation est extrêmement difficile pour les deux parce que Karen, elle, elle est fiancée à Joe, mais ça semble particulièrement dur pour Martha. Tout semble se passer à l'intérieur d'elle et elle le vit très mal. Elle l'exprime pas nécessairement de façon très claire que c'est difficile pour elle. Karen, elle le fait. Mais Martha, elle, c'est complètement autre chose. Elle le vit de façon très intérieure, ce drame. Attention, là, petit divulgâcheur en vue. Un jour, Martha va expliquer pourquoi toute cette histoire la dérange autant. En réalité, elle s'est rendue compte que son amour pour Karen était plus qu'amical. Cet aveu va par la suite pousser Martha à faire l'irréparable. Je ne vais pas raconter la fin du film parce que vraiment... C'est inattendu. En tout cas, moi je l'avais pas vu venir à un certain point juste avant de parler de la performance incroyable d'Audrey Hepburn et de Shirley MacLaine. C'est un film qui ne vieillira jamais à mon avis, c'est un sujet intemporel. Une rumeur qui détruit la réputation et la vie des gens, ça va continuer d'arriver, surtout aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, c'est encore plus rapide et ça rejoint encore plus de gens. La rumeur, c'est un film extrêmement lourd. Il n'y a pas énormément de place à la lumière. On a l'impression que Martha et Karen ne vont jamais se sortir de cet enfer. La fin est encore plus lourde, encore plus dramatique. C'est l'ultime dénouement et cette lourdeur s'est fait ressentir jusque dans les coulisses hein, du film. C'est quelque chose que les deux actrices ont mentionné souvent en entrevue. Pendant le tournage de La Rumeur, l'ambiance sur le plateau était vraiment pas à la rigolade. Même que j'écoutais une entrevue de Shirley MacLaine début des années 90, si je me trompe pas, et elle disait que certains jours, elle avait même de la misère à regarder les gens dans les yeux tellement elle était pas bien, tellement elle se sentait mal sur le plateau. Mais elle le dit et redit, La Rumeur, ça a pas été désagréable à tourner. Au contraire, ça a même été une expérience à faire. Pour ce qui de Audrey Hepburn quand elle a tourné la scène finale, scène sublime, soit dit en passant, et que le réalisateur a crié coupé, elle raconte qu'elle s'est juste écroulée en pleurs. En attendant ce couper, elle s'est dit que c'était enfin terminé. Le film qui est allé chercher énormément d'énergie à, à l'actrice et elle raconte aussi que c'est l'un des rares films qu'elle a fait où elle a pas vu les techniciens rire ensemble, discuter entre eux. Cette ambiance très lourde se faisait ressentir vraiment chez tout le monde et Audrey Hepburn a dit une phrase que je trouve extrêmement forte. Elle a dit c'est comme si le film, le sujet du film venait chercher. Tout le monde. On est tous un peu victimes de rumeurs à un moment ou l'autre de notre vie. Et c'est vrai, hein? que ce soit nous le sujet d'une rumeur ou qu'on soit témoin de ça, on connaît toute une rumeur qui a affecté quelqu'un, qui a détruit la vie de quelqu'un. Bref, vous voyez que pour les deux actrices, ça n'a pas été très évident de tourner la rumeur, mais comme le dit si bien MacLean, c'était une expérience énorme. Excellente, oui, mais Shirley MacLaine, elle est tout simplement parfaite dans ce film. Je vous parle souvent du ton de la voix dans Close Up dramatique, c'est quelque chose de très important pour moi. Ici, c'est particulièrement important, ça a une importance capitale. Le ton, la façon dont MacLean parle au début du film évolue à travers le film. Au début, c'est une femme complètement normale, un peu triste de ne pas avoir de copains. un peu triste de ne pas avoir le cercle social de son ami, mais ça ne l'atteint pas plus que ça. Et à la fin du film, c'est une femme complètement détruite. Toute cette situation le poussait à voir la vérité en pleine face. La scène de l'aveu, quand Martha désespérément avoue son amour à Karen, elle est hystérique. Ce sont ses dernières énergies. Elle pleure, elle crie devant une Karen qui est stoïque, qui comprend pas très bien ce qui se passe. Et dans les yeux de McLean, il y a toute la tristesse du monde, le désespoir de la planète. Ça a pas dû être une scène facile pour McLean parce qu'elle pleure pendant pratiquement cinq minutes. Les mots utilisés dans cette scène aussi, le scénario est écrit avec beaucoup d'intelligence. Les mots qui ont été choisis ont une portée là céleste et Hepburn dans cette scène elle joue celle qui comprend pas très bien hein, pour commencer ce que son ami lui raconte parce qu'au début c'est un peu un euh, charabia incompréhensible hein? et quand elle comprend tout elle constate que son ami est dans une détresse immense elle pleure pas mais elle a les yeux larmoyants voir son ami d'enfance dans cet état là c'est extrêmement difficile elle veut la soutenir mais en même temps elle comprend pas très bien qu'est-ce qu lui raconte à hein, euh, Martha. Donc, Audrey Hepburn joue du très très grand cinéma dans cette scène. Elle retient ses larmes de façon incroyable. C'est quelque chose qu'elle fait aussi dans la très longue scène chez Madame Tilford. Quand Marie va finalement avouer que cette histoire est inventée, c'est une scène d'une trentaine de minutes et quand Hepburn va se mettre à questionner la petite fille, à tenter de la pousser à avouer le mensonge, elle va avoir ce regard l'art moyen, mais aussi très agressif. Mais c'est pas le même regard larmoyant. Là, c'est un regard de supplication. Elle veut savoir pourquoi elle a inventé une histoire pareille, mais surtout, elle la supplie d'avouer et elle veut que cette situation, cette rumeur-là qui détruit leur vie depuis des semaines se termine. Ed burn est beaucoup plus dans la supplication que McLean dans cette scène-là. Shirley McLean, elle joue plus agressive, elle est blessée et elle veut que ça se sache. Il y a un plan très rapproché de McLean dans cette scène qui est très bien réussie, où on voit son intention très claire. Elle veut que la petite Mary Tilford sache que elle, elle est blessée, que à l'intérieur d'elle elle vit quelque chose qui est vraiment pas amusant et que son mensonge est allé trop loin. D'ailleurs, en parlant de plan, je parlais du close-up intéressant de Charlie McLean. La façon dont tout est filmé et monté, on a l'impression d'être un témoin proche de l'action. C'est comme si on assistait à toute cette histoire qui va mener les deux femmes à être totalement isolées. Il n'y a pas d'abus de plans rapprochés et très près, et c'est très Bien comme ça. Ce que je veux dire, comme les émotions sont extrêmement fortes dans le film, c'est des pleurs, c'est de l'hystérie, de la panique. William Weller, le producteur et réalisateur du film, aurait facilement pu tomber dans le piège des plans rapprochés à répétition, répétition, répétition. Chose qui a pas été fait, et ça, je le salue pour ça. Tantôt je vous parlais des dialogues très forts qu'on retrouve dans le film, mais il faut aussi parler des silences. Un silence au cinéma, c'est une réussite ou un échec. Il n'y a pas de juste milieu pour moi et dans la rumeur, il n'y a aucun échec. Déjà que le film est lourd, que l'ambiance est pesante, William Weller est allé ajouter des silences incroyables. Ça ajoute... Une touche supplémentaire au drame de la situation. Si vous avez déjà vu le film, vous savez ce que je veux dire. Et si vous ne l'avez pas vu, allez l'écouter. Vous allez être chamboulé par les silences. En tout cas, moi, c'est venu me chercher vraiment très profondément ces silences-là parce que c'est vraiment, vraiment bien exécuté. faut parler aussi de la performance de Faye Benter qui incarne la richissime Amelia Tilford. Elle est excellente. À la fin de la scène où Marie avoue son mensonge, il y a un plan quand même assez proche de son visage et elle fait peur. Là. Pour vrai, si j'avais été à la place de Marie Tilford, j'aurais eu très très peur. Benter a capté exactement l'expression qu'il fallait, le regard très noir, très fermé. C'est une colère intense. Parce que la grand-mère, elle le sait maintenant que tout ça était faux. Elle se rend compte qu'elle a participé à cette rumeur atroce. Elle a ruiné la réputation et détruit la vie de ces deux femmes. Et maintenant, c'est elle qui va devoir subir les conséquences de ce mensonge auprès de la communauté. Elle le sait qu'elle a perdu l'influence qu'elle avait. Alors, vous comprendrez que c'est une colère immense qu'elle vit. Et le plan rapproché, c'est c'est vraiment quelque chose. Là. À mon avis, c'est l'un des plus beaux plans du film. Je vous dévoile pas la fin de la rumeur, mais je veux absolument parler de la dernière scène. Audrey Hepburn sublime. Je vous dis pas hey, où elle fait quoi, mais elle fait face à tous ceux qui les ont traînés dans la boue et elle fait face à tous ceux qui ont contribué à faire de cette rumeur un véritable enfer. Et elle leur adresse même pas un regard. Elle les ignore complètement. Audrey Hepburn, elle a la tête haute. Ce n'est pas une victime, c'est une survivante. avoir écouté Close-up dramatique, on se retrouve très bientôt pour parler d'un autre grand succès du cinéma hollywoodien.